pour une nouvelle vidéo, donc comment créer un Playmobil. Donc c'est tout simple, il vous suffit juste d'avoir de la pâte à fixe, de la peinture pour le customiser, et un congélateur. Donc, je vais vous montrer pour l'instant des petits Playmobil que j'ai commencé à faire des accessoires. Donc tout ça avec de la pâte à fixe. Donc voilà, donc c'est un chapeau, c'est des accessoires. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est que des accessoires, on ne peut pas faire Playmobil. Donc il vous suffit juste d'avoir beaucoup de pâte à fixe et vous pouvez faire un Playmobil. Donc moi pour l'instant, je vais vous montrer comment faire que des accessoires. Donc voilà. Donc ici, c'est les deux Playmobil que j'ai pour l'instant customisés. Donc voilà, comme ceci. Celui-ci, je vais le faire avec vous. Voilà. De la peinture, donc c'est pas cette peinture qu'il faut, mais c'est une bonne peinture. Voilà. Et donc de la pâte à fixe et un pinceau pour repeindre. Donc voilà. On passe tout de suite à l'action. Je vous mets ces deux Playmobil ici pour que vous puissiez observer. Donc, alors, on va s'attaquer donc avec ce Playmobil que je vais vous montrer. Voilà, ici. Donc, vous prenez votre pâte à fixe. Un bout, à peu près comme ceci. Voilà. Vous en rajoutez si besoin. Vous le prenez. Vous le mettez sur sa tête. Comme ça, voilà. Et après, vous faites la forme que vous voulez. Donc, on se retrouve, voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre chapeau ou accessoire, il vous suffit juste, donc voilà, je vous montre le mien. Ceci, voilà. Donc, derrière. Donc, voilà. Ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre casque, votre accessoire, vous pouvez le peindre. Donc, voilà. Donc je vais le peindre, donc on se retrouve tout. Voilà, me revoilà. Donc j'ai peint le Playmobil. Voilà, vous pouvez l'apercevoir ici. Excusez-moi. Voilà, ici. Comme ceci. Donc voilà. Donc je vous conseille de prendre la peinture qui part à l'eau. Donc comme ceci. Parce que si vous débordez un peu sur le Playmobil, au moins vous pouvez enlever avec une lingette ou avec un papier. Ou même avec vos doigts. Donc voilà. Donc maintenant, il vous suffit juste de le laisser une heure ou 45 minutes selon les congélateurs. Vous le laissez dans le congélateur, comme ça. Une heure et 45 minutes. Ou 45 minutes. Vous voyez si il devient dur et si la peinture a séché. Donc après, vous le sortez. Et voilà, donc le Playmobil est dur. Donc ça... C'est un Playmobil que j'avais fait. Voilà. Comme ceci. Un autre. Donc voilà. Vous pouvez en faire à l'infini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la, partagez-la. Et voilà. Donc c'était un plaisir de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas de parler dans les commentaires, de savoir comment vous avez trouvé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à m'envoyer... vos photos, je mettrai mon lien de Snapchat dans la vidéo, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos des Playmobil que vous avez customisés. Donc voilà, merci et à très bientôt.